Hello guys, I'm here with my family in Polisa. See how it's so beautiful to be here. Subscribe, like, and share. Wherever you are, for Umeria. Well, on a level, I only can do that. Hello guys, we are actually in Port Elizabeth. As I've seen, we are here with Banka family. Banka family welcome us here for a cultural night. We're going to showcase our tradition at the town here at CBD. My name is Alphonse Foucault. Like I always say, guys, if you are new here, please do subscribe, like, and share the video. Tonight, we're going to celebrate with Banka, Banka, Banka. Stay tuned. Let go till the end of the video. Comment tu vas, la belle? Oh, so beautiful. Thank you. What's your secret? My secret is Foucault Media. Foucault Media? Yeah. Cool. Thank you very much. Ciao. Ciao. Do you know about Foucault Media? Of course I do. I know Mr. Foucault personally. What do you like about Foucault Media? All your reports and everything. Wow. Out of 10, how do you rate Foucault Media? 7. 7? Yeah. Thank solid 7. Thank you very much. What's your name? Stephanie. Stephanie. Yeah. Oh, happy to know you. I'm so happy. Thank you. Are you a Cameroonian? Of course. So there's a beautiful, beautiful Cameroon woman like this. Of course. Look at this. Jeez. Wow. Look at this. This is the future. I'm here in front of beautiful creature called Cameroonian woman. Yes. Wow. Yes. And the chief is here. Papa Fideli. Foucault Media. Foucault Media. Fidelis. Tell me. Fidelis. Yes, yes, yes. Tell me about Foucault Media. What do you know about Foucault Media? Well, I like Foucault Media. It gives us a lot of information about everything that's happening in the world. Wow, yeah. Thank you very much. Ne? How do you rate Foucault Media out of 10? Well, I'll give you 10. 10? 10. I'm so happy. I like that. Thank you very much, sir. Thank you very much. Thank you. Okay. Wow. Foucault Media. Si tu veux faire les transferts d'argent partout dans le monde, va sur Google, tu tapes le nom aussi. Voici mon directeur général ici derrière. C'est mon DG ici. Contacte le monsieur. Confidentiel. Dis-moi un peu. Dis-nous comment on fait pour transférer l'argent. Pour transférer l'argent, oui. Il suffit de m'appeler, me contacter. Oui. Vous faites le transfert. Si vous êtes loin de moi, si vous êtes proche de moi, vous faites le dépôt. Ouais. Et l'Orange Money ou bien le MTN Money au pays. Et en moins de 5 minutes, le bénéficiaire reçoit. En moins de 5 minutes, la famille reçoit de l'argent. Il faut contacter DG. Le numéro de téléphone, c'est quoi l'engrand? 083-249-1176. I said to you today that Banka people invite us here to celebrate their cultural day. And on that occasion, we are making some fishing. We are enjoying the nature. In South Africa, we don't have a sea in Joburg. So if you want to enjoy the sea like this, you have to change the province. I mean, you have to come to Western Cape, Eastern Cape, Free State. Like at the moment, we are at Port Elizabeth. You know, there's a lot of people here. So, qu'est-ce que vous pensez de cette cérémonie, de cette journée inoubliable pour nous autres?
Merci à Foco Media, notre seul média culturel. Oh. Merci, notre merci. Notre seul média culturel en Afrique, je suis le seul qui a pensé à valoriser notre culture. C'est pourquoi il a effectué le voyage de Johannesburg pour Port Elizabeth. 1200 km, voilà. 2 heures de vol. Voilà. Donc, à noter tout ça. Merci. Nous avions pensé en 2022, quand le roi des bancas, il faut faire la différence entre le chef de la communauté et le roi des bancas. Voilà. Quand le roi de banca m'a confié cette lourde responsabilité, les bancas, c'était l'euphorie de vouloir m'honorer. Et j'avais pensé que non, au lieu de m'honorer, on doit plutôt honorer la communauté banca, d'où le concept Journée Banca Afrique du Sud, première édition, Johannesburg 2022. C'est d'où part la Journée Banca. Oui, nous sommes à la deuxième édition. Nous sommes maintenant à la deuxième édition et c'était pour pérenniser l'événement, pour capter cette euphorie des chefs de la communauté que les bancas continuent à faire valoriser leur culture, que les bancas continuent à faire connaître qui ils sont dans le monde. Pourquoi choisir Port Elizabeth? Parce que hier, nous avons commencé par un match de football. Aujourd'hui, nous nous retrouvons en bordure de la mer, ici à Port Elizabeth, avec toute la communauté. On est passé par des brailles de poissons frais. Pourquoi choisir ce genre d'endroit pour votre réunion? D'abord pour rassembler les bancas. Parce que en 2022, il y a quelque temps, Port Elizabeth, Blue Fontaine sont venus à Johannesburg. Et nous avons pensé que ils ne doivent pas seulement à chaque fois venir à Johannesburg. Il faut aller les chercher avec l'événement afin que partout où il y a les bancas en Afrique du Sud, qu'ils vivent la journée bancaire sur place. Dans la communication de votre chargé des activités culturelles, j'ai constaté qu'on a cité Western Cape, Eastern Cape, Free State, Hampton. Quelle était la magie derrière cela à regrouper la communauté bancaire dans toutes ces provinces? Parce qu'ici nous parlons des provinces, hein, des très grandes provinces ici en Afrique du Sud. Il s'agit de Gauteng, il s'agit de Western Cape, il s'agit de Eastern Cape, de Free State. Quel est le secret derrière? Est-ce que c'est parce que les bancas sont aussi si nombreux en Afrique du Sud? Non, le secret c'est l'amour des bancas envers eux-mêmes. C'est l'amour des bancas envers leur village. Je ne saurais m'approprier cet événement. Je ne saurais m'approprier cet essor des bancas. C'est l'amour de tous les bancas. Et la politique ici, c'est d'aller vers les bancas. Vers les bancas, partout où ils sont. On doit aller les chercher et leur faire vivre l'événement. Il faut avouer que vous êtes un grand leader. Hein? Vous m'avez senti déjà. Désolé, hein. Les gars, j'aurais dû commencer par là, mais bon, franchement, je pense qu'il y a des nouveaux sur la chaîne tous les jours. Ceux qui s'abonnent tous les jours, bon, je suis ici devant l'autorité traditionnelle des bancas ici en Afrique du Sud. Je vais lui laisser le soin de se présenter. Je suis Taniliale Roger Patrice, chef de la communauté banca d'Afrique du Sud, nommé par le roi de banca, Sa Majesté Monkantou Kampolano, en mai 2021, pour rassembler et coordonner les activités de banca en Afrique du Sud. La partie ci est très importante. Le chef de la communauté banca, nommé par qui? Par le roi de banca, Sa Majesté Monkantou Kampolano. En quelle année? En mai 2021. Chef supérieur de premier degré du groupement Banca. Premier degré, les gars. Nommé par Sa Majesté, le roi des Bancas. Roi des Bancas. En quelle année? En mai 2021. Retenons cela et nous pouvons que dire félicitations à notre chef des Bancas qui se charge tous les jours de regrouper tous les bancas autour de lui. Oui. Merci. Nous espérons que la soirée va bien se terminer déjà. Et la prochaine édition, ça sera à Cape Town à Blue Fontaine. Parce que nous sommes en train de faire la rotation avec l'événement chaque 2 ans. J'ai cru entendre que le président des bancas a dit dans l'un de mes interviews que ça sera à Cape Town. Pourquoi vous donner 2 villes déjà? Non, on donne à celui qui est prêt. Oh, parce que l'événement est en train de prendre de l'ampleur. Il y a Blue Fontaine et Cape Town. C'est des villes où il y a déjà le regroupement des bancas.
On va voir celui qui est prêt à accueillir l'événement et on va lui allouer parce que ça, ça sera en 2026. C'est un événement biennal. Tout c'est un fait. Événement biennal. Après deux ans. Pour rendez-vous. Rendez-vous. À Cape Town ou à ou à Bloemfontein. Guys, merci. This is my family. My PE family. Bye. Le nom c'est Sister Nadej. Sister Nadej. Voilà. Voici ça, ce sont encore des services que la communauté Banca offre à la communauté gratuitement. Hein. Ici, on est en train de faire un test d'insuline pour voir le taux de sucre chez le patient en fait. Vous voyez? C'est bon. Explique-nous le numéro qui est important. Ici, bon. Ici c'est pardon 4.2. 4.2. La marge, c'est quoi? La marge, c'est 4.7. 4.7. Mm-hmm. Okay, entre 4 et 7. Oui, entre 4 et 7. Si c'est 5, c'est bon. Si 5, c'est bon. C'est bon. Si c'est bon. Mais si c'est moins de 4? C'est pas bon. Ça veut dire que vous êtes hypo. Avec le tensiomètre, oui. le range normal, c'est 110, 60 et 140-90, ça c'est la rang. Voilà. Quand vous êtes dans cette rang là, c'est bien. Mais quand vous êtes plus de 140, ça veut dire que vous êtes très tendu. Et quand vous êtes moins de 100, ça veut dire que vous êtes hyper tendu. Et c'est aussi très dangereux. Oh, vous allez. Oh, non. Depuis jeudi. Mais la blanche. Hey. Ah. Hey, maman. Mon frère. Vous allez arriver ensemble. C'est tous ces gens-là sont ici.